Myriam, Benoît, Baptiste et moi-même sommes très heureux de vous retrouver au théâtre de l'Hôtel de Ville. Deux événements incontournables nous ont conduits à organiser une nouvelle fois ce concert de fin d'année. Le club musical fête ce soir son 30e anniversaire. C'est le premier. Encore déjà d'une aventure humaine qui commence à la fin de l'année 83, lorsque je reprends l'école de clavier créée par André Glevarec, avec un parti pris, enseigner la musique sur tous les instruments de notre époque. Tout d'abord les orgues électroniques, puis les synthétiseurs, et depuis un petit peu plus de 10 ans, les pianos numériques. Ces fabuleux pianos numériques à la fois... Ces fabuleux pianos numériques à la pointe de la technologie permettent à nos pianistes de devenir multi-instrumentistes. Outre le fait d'être avant tout d'excellents pianos, ils possèdent une multitude de sonorités et de possibilités dont vous allez apprécier une fois de plus les qualités tout au long de cette soirée. Voilà, parenthèse fermée. Dès 1984, nous organisons dans les locaux du magasin Glevarec Musique notre première audition. Pas moins de 25 personnes viennent jouer individuellement leurs morceaux devant un public conquis. Et c'est à cette époque que nous formons les premiers ensembles de claviers. Depuis 2001, nous bénéficions au THV d'une salle confortable et d'une assistance technique, son lumière, plateau, tout à fait professionnelle. L'audition de fin d'année devient alors un véritable concert. Et les jolies voix que nous découvrons avec l'ouverture, la voix qui est mieux que la mienne d'ailleurs, des cours de chant dirigés alors par Michel Laval ne sont pas étrangères au succès de la formule. La musique doit rester avant tout un plaisir et c'est donc dans une ambiance détendue que nous faisons découvrir chaque semaine à nos élèves tous les styles musicaux, de la variété au jazz et du traditionnel au classique. Oui, ne vous inquiétez pas, on ne va pas être très très... On a encore... T'as encore combien de fiches ? Bon, ça va. On vous a parlé donc de deux événements importants dans la vie du club. Il y avait les 30 ans et le deuxième, mais ce n'est pas vraiment un scoop, Myriam viendra rejoindre mon statut de retraité à la fin du mois de juin. Et bien sûr, comme beaucoup de jeunes retraités, comme moi-même du reste, elle continuera néanmoins à donner quelques heures de cours par semaine dès la rentrée prochaine. Aussi, après tant de belles années, et pour que le mot « retraite » ne mette pas un terme au club musical, nous avons souhaité, Patrick et moi, que l'aventure se poursuive. C'est donc avec un peu d'émotion, mais sans appréhension, que nous passons le relais à deux de nos anciens élèves que vous connaissez déjà. Je ne dois pas avoir des... Désormais... Ça commence bien. Désormais, c'est donc à Benoît pour les cours de clavier et de piano et à Baptiste pour les cours de chant que nous vous demandons d'accorder votre confiance. Nous sommes certains de leur qualité musicale, de leurs compétences professionnelles et nous nous portons garants de leurs compétences. Voilà. À travers de nos cours et de ces concerts... Ah ben non, c'est toi ça. Bon, alors moi je dis ce que je dois dire. Ce sont eux qui, dès la rentrée prochaine, prendront les commandes du club. Bien sûr, nous serons encore là pour faire un bout de chemin, encore ensemble. Allez, vas-y, t'es sur la 5 ou sur la 5 ? Ah, moi, je suis sur la 5. Ah, c'est le souk, j'espère que ça sera pas pareil dans les morceaux. Hein. Mais rassurez-vous, ça n'arrive qu'une fois tous les 30 ans. Donc... Au travers de nos cours et de ces concerts, Myriam et moi-même avons toujours essayé de transmettre un savoir-faire, une technique, le solfège parfois aussi, mais surtout une passion. Je crois qu'on a le trac. Peut-être. Nous sommes vraiment heureux de savoir que que cet état d'esprit va perdurer avec Benoît et Baptiste. En effet, ils suivent. Oh, mais c'est pas vrai.
En effet, il souhaite poursuivre ses spectacles de fin d'année afin de continuer à partager avec vous ces moments de complicité et d'émotion. Je l'ai dit. Et nous leur souhaitons de faire autant de belles rencontres musicales, humaines et amicales que nous en avons fait durant ces 30 dernières années. Merci à vous pour toutes ces années de bonheur. Et puis, bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là pour les paroles. Et maintenant, place à la musique. Attention! Ça va commencer. Tout au long de la soirée, nous avions Margot, Jordan, Catherine, Margot, Roman, Jordan, Catherine, Sonia, Sophia, Elsa et Laurie.
Je vous présente les musiciens. C'est une équipe que vous connaissez déjà, vous le voulez. En tout cas, pour les personnes qui suivent les concerts depuis quelques années, donc vous avez eu déjà l'occasion de les voir plusieurs fois, plusieurs années, de nombreuses années, j'irais même jusqu'à dire. Stéphane Leroux, Christine Lalouette, Claire Lalouette, qui a commencé comme ça, qui est venu comme ça, Armel Albizotti, et Joël Gallois, qui a suivi toute la partie de piano. Bravo mesdames, merci beaucoup. À plus tard, je crois. À tout à l'heure. Bonsoir. C'est bien connu, les enfants adorent se déguiser. Et chaque année, Myriam et son groupe d'éveil musical en usent et en abusent allègrement. Cette année, nous retrouvons une joyeuse bande de petits chinois et chinoises qui vont nous démontrer percussion en main, leur sort de virilité. Ils ont entre 4 et 6 ans et sont très fiers de vous faire découvrir leur talent naissant. Voici Pentawai. Thank you.
C'est du sport, la musique, hein. C'est vu ça, ça bouge. Et j'avance. Et en arrière et en avant. Alors, je vais vous présenter tous ces petits enfants-là qui font donc partie des cours d'éveil musical. Peut-être que les enfants qui vont jouer le morceau de piano suivant, c'est-à-dire Daniela, pourraient venir s'installer au piano. Je n'en vois que deux ici. Il en manque. Nous avons Nathan Bento d'Acosta, Mathilde de Fourme, Timothy Collin, Raphaël Nicolas. Ah, Paul, il est parti parce que Paul, il joue aussi du piano. Figurez-vous que l'année dernière, il était en éveil, que cette année, il est passé au piano, mais comme au djembé, il y a eu un désistement de toute dernière minute, Paul est venu répéter avec nous samedi. Et il se rappelait fort bien ce morceau qu'on joue traditionnellement dans les cours et qu'on aime bien, qu'ils aiment bien. Et il n'y a pas eu de problème, il a très bien assuré son rôle. Et maintenant, il va jouer du piano, parce que c'est déjà presque un grand, il y a au moins 6 ans. Nous avons Tom. Tom Grancer. Je salue. Agathe Carré. Et Tar, le frère de Paul, Tar le Louisette. Merci les enfants. Vous pourriez donner vos percussions à Patrick, puisque Patrick est là. Allez, vous prenez vos percussions à Patrick, et puis vous descendez par les marches, s'il vous plaît. Non, vous descendez par les marches. Vous remettez juste vos percussions. Alors, je vous propose un bond en arrière au début des années 60, à la grande époque du yéyé. Eddie Mitchell et les Chaussettes Noires enflamment les salles de spectacle pendant que leur jeune public insoumis, au débordement incontrôlable, trouve très amusant de casser les fauteuils de la salle. De là à penser qu'il fallait y voir un signe annonciateur des événements de mai 68, il n'y a qu'un pas. Mais nos petits bouts de chou ici présents n'en ont rien à faire de tout ça. Ce qu'ils aiment dans Daniela, c'est le côté rythmé, et la mélodie facile à retenir. Alors, à bas la contestation et vive Daniela! Daniela, nous avons un désistement de dernière minute, une petite malade. Donc, eh bien, tant pis, on va le faire sans elle. On y va.
Allez, venez les rockeurs. Et vos partitions, les rockeurs, elles vont pas rester sur le piano. Bon, c'est des rockeurs en herbe. Et te sauve pas, Paul. Hey, fais voir que je dise ton nom. Viens me voir par là. Bon, inutile de dire qu'ils ont commencé en septembre. Ils sont en CP, ces petits enfants-là. Et puis Daniela, c'était quand même pas bien facile, hein, pour leurs petits doigts et tout ça. On a mis la barre un peu haut. Mais bon, ils ont bien travaillé. Et puis il manquait Marie en plus. Ça faisait un trou, hein. C'était pas pareil. Dommage. Bon, enfin, elle est malade. Elle a une gastro, petite mère. Oh, on va pas la refaire. Alors voilà, vous avez fait connaissance avec Paul Louiset, qui vous avez vu parfait. Gabriel Castille, de la guitare électrique. Laura Blanchard, elle jouait de l'orgue. Et puis, Valentin, il faisait le saxophone. Et bien, c'était pas si mal que ça. Allez, vous pouvez descendre par là, comme vous voulez. Et les enfants, voilà, vous ne devez pas, s'il vous plaît, donc pour la rotation des musiciens, je pense qu'ils ont l'habitude, en général, n'attendez pas que les autres descendent pour monter, vous installer au piano, vous le faites tout de suite, pendant que je suis en train de présenter le morceau précédent, vous, déjà ici, il faudrait que les musiciens du morceau suivant soient assis. Schnell. Parce que 23h, on range tout. T'as raison, Baptiste, c'est comme ça que ça marche. Allez. Ah, qui bosse dans la merde. Bon. Le parrain. Le chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola, porté par la musique de Nino Rota, est toujours 44 ans plus tard considéré comme l'un des plus grands films de gangsters du cinéma mondial. L'histoire raconte l'ascension du fils Capleone, alias Al Pacino, perçu par les membres de la famille. Oula. Perçu par les membres de son impitoyable famille mafieuse comme ne pouvant prétendre à la succession de son père, le patriarche. Yarch. Ça, je suis pas toute seule, ça me rassure. C'est moi le prof de chant, 2 secondes. Je disais donc, le patriarche. Le patriarche Marlon Brando. Bon. De toute façon, en les éliminant un par un, il n'a de cesse de leur prouver le contraire. Ça veut dire que, bon... Mais ranguez-nous nos calibres et écoutons ensemble la musique du parrain. Ils sont rentrés au club cette année et ont forcé le track. On peut les encourager. Thank you.
Eh bien, c'est un groupe de jeunes gens qui ont commencé, eux aussi, en septembre. Bravo à eux, sauf Raphaël, qui avait déjà fait un petit peu avant, mais qui a rejoint l'école donc en septembre. Mais on peut quand même leur dire bravo, c'était un... Alors, nous avons Oumena Zidani, Océane Arel, Raphaël Maillard et Sylvain Leclerc. Bonne soirée, et à la prochaine fois. Avec la Coupe du Monde de foot au Brésil, qui commence bientôt, il nous a paru difficile de ne pas faire un clin d'œil aux musiques brésiliennes. Nous avons choisi Masquerada, repris ce soir par Sofia et Margot, et en portugais s'il vous plaît. Margot et Sofia, toutes deux pianistes du club, ont déjà participé à de nombreux concerts, mais c'est la première fois qu'elles se présentent devant vous, micros en main. C'est pas la même chose du tout. Elles seront soutenues par l'ensemble des choristes des ateliers de la voix, dirigés par Baptiste. Ouh! C'est pas le choix! C'est toi qui es supporter de l'équipe de France, non? Allez, bleu! Allez, en avant pour le Brésil avec Masquerada.
bravo, ça, c'était du Brésil, là. Alors, je vais vous présenter les deux solistes. Sofia Bortolucci. Sofia, elle a 14 ans, je vous le dis, parce que c'est toujours étonnant. Et Margot, tu es là. On verra Sofia tout à l'heure au piano, plus tard, dans deux autres morceaux. Et puis, toute la troupe, au complet, un petit peu plus tard, au fur et à mesure, dans la soirée. Merci, mesdames et mesdemoiselles. Alors, je vous présente les musiciens, une équipe de jeunes hommes. Bon, plus ou moins, d'accord, Jean-Claude. Oh. Jean-Claude Buisson, en tout cas des fidèles. Voilà. Jean-Michel Lecoq, que je remercie au passage pour toutes les photos, qui nous fait de très belles photos chaque année sur le spectacle. Et donc, tu as mis le super maillot, hein. Patrick aussi, vous avez vu le super maillot Brésil. Ouais. Ah. Enric da Silva. Jean-Pierre Frère. Et Albert Guéza. On notait dans ce morceau que les parties jouées par le pianiste et la flûte étaient totalement improvisées. C'est-à-dire qu'avant de commencer, ils ne savaient pas exactement quelle note ils allaient jouer. C'est de l'improvisation. Ce qui fait que j'ai vu qu'Albert avait un trac. Tout à l'heure, je l'ai vu des coulisses. Ça tremble. Oh, mon Dieu, c'est ça. C'est l'éclairage, tu as raison. Bon, en tout cas, merci beaucoup, c'était très bien. Merci. Ce célèbre chant traditionnel de gospel, Let Me People Go, a été popularisé par Claude Nougaro, qui l'a rebaptisé Armstrong, en hommage à Louis Armstrong. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Je vais m'arrêter là. Il évoque la ségrégation raciale et qui, mieux que Nougaro, lui qui savait si bien jouer avec les mots, pouvait nous expliquer que finalement, noir et blanc, nous sommes tous des hommes ressemblants. Allez, quatre jeunes musiciens pour une chanson qu'ils connaissent tous, Armstrong. Thank you.
Kerlian, ta partition. Ta partition, Kerlian. Voilà. Alors, nous avons Hugo qui changeait de son tout le temps, mais qui finalement s'est un peu embrouillé vers la fin, mais franchement, ça s'est pas vu beaucoup. Hein. Forcément, avec 8 sons à changer à chaque fois, c'est quand même du boulot. Hein. Pour un petit bonhomme, ils sont qu'en deuxième année, ces enfants-là, ils sont pas très grands, pas très âgés. Ah oui, toi. Kerlian. Kerlian, il est là, Kerlian. Kerlian Chenal. Ambre. Ambre de Brossia. Elle est en troisième année, il ne faut pas rigoler. Hein. Anna Chibaudot. Et Hugo Falzarella. C'était très bien ici. Très bien, c'était bien travaillé. Merci. Allez-y. Inspiré de la comédie musicale, le film Le fantôme de l'opéra fut tourné en 2004. Nous allons entendre jouer par 4 fantômes. On ne peut plus pimpant. Le thème sur lequel l'hideux fantôme séduit et attire dans son repère la soprano vedette de l'opéra, la jolie Christine. Difficile pour nos 4 fantômettes de remplacer tout un orchestre symphonique. Heureusement que ces pianos numériques sont performants. Mais quand même, l'électronique ne fait pas tout. Il faut appuyer sur les bonnes touches et surtout au bon moment, sans oublier de changer les sons. Allons frissonner avec le fantôme de l'opéra. Thank you.
bien, je vais vous les présenter. Alors, nous avions Jade. Jade Joie. Qui s'est fait déplacer il y a 3 jours, quoi. Donc un peu plus, on s'est dit, ça y est, on va la perdre. Non, non, elle était là, c'est bon, elle se rappelait bien. Carmen Blanchard. Elona, mais toi aussi, tu es magnifique, Elona. Elona Osform. Et Mélodie Coquerel. Merci beaucoup, mademoiselle. À une prochaine fois. Pour la chanson suivante, j'ai un petit plaisir personnel de prof de chant. C'est que les cours de chant, comme les cours de musique, c'est pas seulement des cours techniques. C'est aussi des rencontres humaines et artistiques. Pour la prochaine chanson, on va avoir 2 timbres. Un timbre d'une femme qui peut rappeler le timbre de Juliette Gréco. Et le talent naissant d'une jeune chanteuse qui nous arrive en cours d'année et qui a une progression fulgurante. Patrick Bruel, en 2003, a permis aux nouvelles générations d'apprécier les trésors du répertoire des années 30 à 50. Ce qu'on en sait moins, c'est que Mon amant de Saint-Jean, qui fut un immense succès populaire en 42, a été utilisé par François Truffaut dans son film Le Dernier Métro, de même que par Claude Miller dans La Petite Voleuse. C'est un groupe entièrement féminin sous la direction de Patrick. Partons guincher avec Catherine et Margot, 2 générations pour un sujet intemporel. Elles seront accompagnées par 5 pianistes, parmi les plus fidèles, et Myriam et son accordéon, Mon amant de Saint-Jean. Thank you.
Merci Michel, on a foutu là. C'est bien le spectacle. Hein. Et Myriam, avec son accordéon. Merci, je vais vous présenter les musiciennes. Oh, elles sont belles toutes en noir et rouge comme ça, c'est super joli. Diane Zaccarabani. Martine Lamirec. Jacqueline Loagy, notre doyenne. C'est pas discret que mon étonnage, c'est à chaque année ça change donc. 83 ans donc. Voilà, et toujours plus éloquente. Noël Prével. Ah ben non, Bénard maintenant. Ah ben ça fait au moins déjà 4-5 ans, mais... Il n'y a rien à faire, pour moi c'est toujours une jeune fille. Et puis Nicole aussi, c'est toujours une jeune fille. Nicole Leclerc. Du fan club, Nicole. Voilà, c'est bien ça. À une prochaine fois, j'espère bien. Hein. Ouais, allez, au revoir. Mesdames, bonne fin de soirée. Merci. Merci. La trilogie du Seigneur des Anneaux se déroule dans le monde fictif de la Terre du Milieu. Les trois films suivent le hobbit Frodon alors qu'il s'engage avec les autres membres de la communauté de l'anneau dans une quête pour détruire l'anneau unique et ainsi provoquer la chute de son créateur, le méchant Sauron. Je suis absolument sûre que vous êtes contents de savoir ça, ça va vous manquer. Hein. Bon, sur un arrangement écrit et dirigé par Benoît, tu as parcourons en musique cette terre du milieu avec le thème principal du film. Ça s'appelle Concerning Hobbits. Thank you.
mesdemoiselles. Je vais d'abord vous présenter leur professeur, Benoît. Bon, Benoît, bien, vous l'avez compris, c'est lui qui va prendre la suite du plan musical, Benoît Bougéla. C'est un arrangement que tu as écrit entièrement tout seul, celui-là. Tu t'es débrouillé comme un grand de A à Z. Voilà, c'est un peu simple. Il est tout à fait capable de faire ça, la preuve. Et donc, ce sont ses élèves toute l'année, sauf Pauline. Je lui ai prêté juste pour ce morceau. Mais l'année prochaine, tu l'auras toute dans tes cours. Voilà. Pauline Lelièvre. Émilie Lemoyne. Alors, Émilie, je te félicite parce que tu as assuré la partie rythmique. Et franchement, elle a commencé au mois de septembre, cette petite-là. Et bien, franchement, il y a de la grâce de musicienne. Lucie Valbert. Et Servan Outi. C'est très bien. Puis en plus, vous êtes magnifiques, toutes les quatre, là. Servan, vraiment, t'es tout à fait dans l'esprit de la terre du milieu. Bravo, à l'année prochaine, probablement, mesdemoiselles. Hein. Merci. On change de style complètement, là, maintenant. Je vais casser l'ambiance. Alors, non, pas casser l'ambiance, au contraire. Enfin, non, pas au contraire. Bon. 76, c'est l'année de la grande sécheresse en France, et Claude François électrise les foules avec cette année-là. Donc, je ne vais pas casser l'ambiance, mais ça va changer l'ambiance. Dans la chanson, il évoque l'année de ses débuts, 62. Lui aussi, tout comme Eddie ou Ginny ou Johnny, fut cette année-là confronté au débordement de son public. Il le dit dans le texte, je cite, « On croyait qu'une révolution arrivait cette année-là. » En 2000, Yannick, sous le titre « Cette soirée-là », offrit une seconde jeunesse à la chanson et une reprise de plus. Ils ont entre 8 et 10 ans et vous proposent une instrumentale de cette année-là et une reprise de plus. Surtout, ne cassez rien. Thank you.
vais vous les présenter. Bon. C'est un vrai discours, là. C'était bien envoyé, hein. Pauline. Pauline Courta. Antoine Bessy. Tu vas nous faire Nelson Monfort. Il faut qu'il trouve sa voix, vas-y. Attends, il n'est pas du tout cabotin. Mais pas du tout, du tout. Vas-y. Alors, et comme nous avons interviewé Jerry Fitzsanga, nous avons toujours une sorte d'imprévention qui ne colle pas une bande dans la gueule. Si, excusez-moi, je suis pour rien, c'est improvisé. Hein. Là, franchement, j'avais pas prévu le coup. Désolée. Bon, je te connais plus. Mallory Dupré. Manon De Silva. Et puis Joël Raïjaoui. Il faisait toute la partie de piano, vous avez vu ça, comment il assurait le coup? Hein? Bravo les enfants, super! Quatrième, je crois. Je pêche le soin. Ouais. Peu près. Quatre, cinq, quatre. Ouais, les deux, trois. Plus bien. Et on les envoie. Non, je n'ai pas vu venir celle-là. Une querelle entre deux frères que tout oppose, cela est plutôt commun. Et en général, ça ne laisse pas de traces historiques, sauf quand il s'agit de politiques ou de têtes couronnées. Des millénaires vont s'écouler, et c'est ainsi que naissent les légendes et les mythes. Et quelle terre plus légendaire et mystique que celle des pharaons? En ce temps-là, deux frères se sont affrontés, Ramsès et Moïse. Alors écoutez l'histoire de Moïse, c'est le chant des princes d'Égypte. Thank you.
Bravo, mademoiselle, mademoiselle, madame. Laurie, Laurie Arcé. On va la revoir, on n'est pas sans la revoir, Laurie. Elsa, Elsa Danieli. Avec moi, avec plaisir. Merci, à tout à l'heure. Toujours les mêmes, l'atelier vocal de Baptiste. Merci les filles, à tout à l'heure. Messieurs, mesdames, et mademoiselle plutôt, parce que c'est pas une dame, c'est une demoiselle, c'est la fille de son papa, Charlène Bernard et Thierry Bernard. Et tout à l'heure, on aura la petite sœur, c'est une histoire de famille. Sébastien Edouin et Gianni Guminelli. Bon accompagnement. Laurie nous avouait tout à l'heure que cette chanson était sûrement une des plus difficiles qu'elle avait eues à chanter dans tout ce qu'elle a fait en 10 ans de club musical, et que cette chanson-là était vraiment difficile. Bon, elle est partie, mais bon, il aurait pu le confirmer. Voilà. En tout cas, c'était super bien accompagné. Merci beaucoup. On a changé de taille, hein. Alors, La Grande Évasion. C'est un film américain sorti en 1963 avec Steve McQueen et Richard Branson. Et il relate l'histoire d'un groupe de détenus dans un camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale qui décide d'organiser une fuite collective en creusant un tunnel sous les barbelés. Nous voici donc en présence d'un orchestre militaire représenté par 4 GI Mendim Club Musical. À mon commandement, go, go, on y va. Ils ont tous entre 9 et 10 ans et sont déjà de vieux routards, capables de réaliser des orchestrations bien compliquées pour leur jeune âge. Les différents motifs dans ce morceau se croisent dans tous les sens et il n'y en a pas deux qui jouent la même chose au même moment. Bravo à vous, vous avez bien travaillé, comme d'habitude d'ailleurs, on m'a souvent habitué au meilleur.
Romar Schneider, Marguerite, Marguerite Chaigne, Mathieu Hiss, alors c'est un GI handicapé. Mais avez-vous quand même remarqué qu'il arrive à jouer du bout des doigts avec sa main gauche, hein? Ouais. Il peut le faire. Et Mathieu Dumont. Bravo, messieurs, dames. Au revoir. Bonne fin de soirée. C'est l'histoire d'une amitié entre un enfant solitaire et un chien sauvage. Belle et Sébastien, ce feuilleton télévisé en noir et blanc a bercé mon enfance, et la vôtre peut-être aussi. La télé en couleur n'existait pas encore, et pourtant, chaque semaine, on attendait avec impatience une nouvelle aventure de Belle et Sébastien. Amusant de penser que finalement, tout est un éternel recommencement. Et Belle et Sébastien, repris par le cinéma il y a quelques mois, n'échappe pas à la règle. Un groupe d'enfants pour une histoire d'enfants. Un grand bol de fraîcheur pimenté d'une pointe de nostalgie. Voici Joséphine et Célia et quatre jeunes pianistes dans la chanson du générique final, L'Oiseau. Je pourrais te retrouver, le lierre blanc.
Bravo. Bravo, Lucille. Joséphine Rose. Et Sylvia Lugan, qui est la petite fille de Patrick. Merci beaucoup, c'était joli, hein. C'est super. Et ce sont des enfants qui les accompagnaient. Bravo aussi à vous les musiciens, les musiciennes. Clara Marie, Lucas Bento, vous avez parti contre chant de Lucas. Andrea Bernard, la fille de son papa, la deuxième. Vous avez les ensembles symphoniques avec Clara. Et puis Jade, qui a souhaité la partie d'accompagnement à la harpe, Jade Goard. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, nous avons déjà visité ce soir le monde du milieu, la terre des pharaons, le monde de l'enfance, et maintenant nous voilà rendus avec Star Wars dans une galaxie lointaine, en compagnie d'étranges créatures que sont les chevaliers Jedi, des D2R2 et autres Chewbacca. Encore un morceau très apprécié des élèves non débutants, car il faut un minimum de technique pour mettre en place cette orchestration brillante et magistrale, écrite par Patrick il y a déjà longtemps. Voici, sous la direction de Benoît, le générique de La Guerre des Étoiles, composé par le talentueux John Williams. Que la force soit avec vous, les garçons. Yoda, j'avais oublié presque. Voilà, Victor.
comme Victor Germain. Oh, mais toi, t'es Dame Gadère. Ah, t'as mis le... C'est un clone. Oh, pardon. Désolée. Marc-Adrien. Marc-Adrien, l'empocheuse. Ah, ben là, c'est le Dame Gadère. Donc, je reconnais là. Ah, ben encore Maître Yoda. En la personne de François. François Lachèvre. Restons dans la bonne humeur. Pour nos 30 ans, nous n'avons pu résister à vous resservir l'incontournable soupe aux choux qui remporte toujours le même succès auprès de nos pianistes, tout âge confondu, et qui est sans doute le numéro 1 au top 10 du club musical. Le film réalisé en 81 par Jean Giraud met en scène deux paysans, Louis de Funès et son compère Jean Carmé, sans oublier l'inoubliable Denré, alias Jacques Villeray, venu tout droit de sa planète Oxo. Oxo, c'est la Terre. Normalement, il est prévu l'arrivée d'un enfant déguisé en Denré. Pas de panique, c'est normal. Voici la soupe aux choux. Dans les pantalons de garçon en général. Alors, il est parti, la denrée ? Ben oui, il est là-bas, il est parti, c'est caché. Joséphine Rose, qui jouait la mélodie. Alors, ce
est amusant de penser qu'en fait, ta maman a déjà joué ce morceau, le même morceau, en concert aussi, mais il y a combien de temps? Ouh là là! T'étais pas née? Non, non, elle était peut-être un petit peu plus âgée que toi. Et puis elle a joué aussi E.T. que tu vas jouer tout à l'heure. Et oui, c'est amusant ça. Et oui. Emeline Jeanne. Sofia Bartolucci. Erim et Ben Zawari. Bien reçu, bien reçu. Merci, et la denrée, elle est partie. Bah tant pis. Michael Jackson nous a laissé une discographie éblouissante et des tubes impérissables. En 88, il écrit Man in the Mirror, qui se veut le reflet de notre société. Le clip de la chanson est constitué d'images d'archives, montrant notamment la famine en Afrique ou encore les funérailles de John Kennedy, en un mot, les dérives de l'humanité. Soutenu par les ateliers de la voix et trois pianistes d'un niveau a priori correct, je vais me faire tuer. Voici Céline Mouton Poiré dans cette chanson en anglais au débit infernal Man in the Mirror. Feel real good, and make a difference, gotta make it right.
Céline Poirier-Mouton. Et l'ensemble des chanteurs des Ateliers de la Voix. Évidemment, voilà, on est une école, on est des profs, mais on est aussi des artistes. Alors pour Myriam, je vous demanderai d'applaudir très très fort. Pour Benoît, d'applaudir très très fort. Et pour Patrick, très très fort. Et pour Baptiste aussi. Voilà. C'est très peu de plan rouge, mais... D'accord. Bien. Allez. C'est l'histoire attendrissante d'un jeune extraterrestre désemparé, oublié sur la Terre par ses congénères. Ça fait de deuxième là ce soir, hein, dis donc. Bon. Il devient l'ami d'un petit garçon de 10 ans, Elliot, avec lequel il entre en relation par échange télépathique. Porté toujours par une musique de John Williams, Steven Spielberg a signé là un chef-d'œuvre de sensibilité et de tolérance. D'aucuns se rappellent la scène où la créature de l'espace tente de rejoindre sa famille, aidée par une tribu de vélos volants conduits par Elliot et ses copains déjà au piano. Encore une superbe orchestration, écrite en d'autres temps par Patrick, qui nécessite certes de la technique, mais aussi beaucoup de musicalité. Thank you.
Alors, quelques années de piano encore pour nos jeunes gens ici. Combien de temps, Joséphine? 8 ans. Oh, 8 ans! Mais tu comptes non, pas les veilles, juste le piano. Ah oui, 6 ans. Je me disais 8 ans, c'est beaucoup quand même. Elle est pas. Les veilles, ça ne compte pas. On n'a pas fait de piano, on est veilles. Toi aussi, à peu près dans les mêmes zones, Marius. Toi aussi, Antonin? Oui. Marc-Adrien en Cochesse, qu'on a vu tout à l'heure dans Star Wars. Il était allé leur prêter main forte pour avoir plus de force. Parce qu'il y avait un absent, en fait. Antonin? Antonin Lillot? Marius Sébert? Joséphine Rose, on l'a déjà écouté tout à l'heure. Et Alexandre Bourgogne. Donc, toi, par contre, il y a un longtemps toujours. Merci beaucoup, c'était bien. C'était bien bossé. C'était une orchestration qui demandait beaucoup de musicalité et ils avaient bien ça en eux. Et voici le moment attendu par tous les jeunes pianistes du club, la chanson de groupe. Alors nous avons choisi cette année de reprendre un titre qui a été programmé en 2009 pour nos 25 ans, mais uniquement sur le concert des enfants. Il y avait 2 spectacles à l'époque. Nous avions vraiment beaucoup aimé cette chanson et nous avons vraiment trouvé dommage que vous n'ayez pas pu tous l'entendre. Aussi, nous vous offrons ce soir une séance de rattrapage. Voici Sing a Song, une chanson créée par les Carpenters dans les années 70, reprise ce soir par Laurie Arce et une trentaine de jeunes pianistes du club, plus les jeunes chanteurs des ateliers de la voix. Sing a Song. Thank you.
et je résiste pour plaisir de vous les présenter. Les plus grands, Pauline, Julia, Sophia, quoi, Anaïs, Romane, Ambre, Manon, Pau, Margali, Mathieu, Marguerite, Pauline, Laurie, Arsène, la grande Laurie qui est ici pour nous, Célia, Carmen, Laura, sa petite sœur, Mathieu, Oxo, ici la terre, Jean-Luc, Lucas tout court, ça suffira, Kérian, Anna, Jade, Erine, Joséphine, Elona, Mélodie, Andrea et Clara. Et voilà. Bravo les enfants. Et ils sont pas tous là. Il y en a qui sont pas venus chanter. Allez, vous pouvez... Vous avez... Oui, circuler. Je pense que vous... Non, mais c'est parce que j'en avais trop dit, je crois, que là, j'ai fait une overdose. Caroline Blavet. Sonia, qui était dans le cœur aussi, Julie Piano aussi, Sonia, Sonia Sachera. Eugénie Jawari. Louise Young. Et Victoris. Alors, Victor, Eugénie et Caroline avaient leur petite sœur ou leur petit frère dans les chœurs. Ou que, dans les enfants qui chantaient. Voilà. C'est vraiment une histoire de famille au club. Merci. Bien. À présent, on ne s'affole pas. La personne qui va arriver... Et lui, t'es arrivé, c'est pareil. Et dire que ma mère est prof. Donc l'artiste qui va arriver, je parle pas bien de l'artiste, c'est une chanteuse à l'univers totalement déjanté. Et lui trouver une chanson à sa mesure a été assez compliqué. Ça peut partir dans tous les sens. On va essayer de contrôler la bête. La chanson qui arrive à présent fut un grand succès dans les années 1950. Chantée par Betty Hutton, un peu à la façon de Marilyn. La reprise déjantée et un peu plus musclée de Björk en 1995 l'a remise au goût du jour. Une alternance de valse lente et de ping-pong. Voici It's Oh So Quiet, interprétée par Caroline et notre bande de pianistes débutants, ou presque. It's all so quiet.
Raconte par la bouche d'un vieil indien l'histoire d'une famille du Montana dans les années 1910 à 20. Quand la première guerre mondiale éclate en Europe, les trois frères s'engagent mais le dernier n'en reviendra pas, ce qui provoque l'effondrement de la famille et principalement de Tristan, alias Brad Pitt, qui ne s'en remettra jamais. Oui, ça va. Un scénario émouvant soutenu par la musique à fleur de peau de James Horner font de Légendes d'automne un film magnifique qui marque les esprits et ne laisse surtout personne indifférent. C'est... Oui, c'est ça. On débute. C'est un orchestre en direct live type classique qui se présente devant vous sans aucun soutien rythmique, ni basse, ni batterie. Voici Légendes d'automne. Thank you.
Bien. Bravo les filles et le garçon. Là, on était comme un orchestre classique, en direct. Enfin, en direct, les autres aussi sont en direct. Mais on a souvent de la batterie, de la basse qui nous aident rythmiquement. Mais là, on était formation classique, ensemble symphonique. Oh, oh Pauline. Oh, c'est gentil, merci Mathieu. C'est de la part de votre groupe. Pauline. Je fais la bise à Pauline Meunier. Anaïs Prévost, merci beaucoup. Sophia, je vous la présente plus. Hugo Chambrelan. Et Julia Cofourier. Merci beaucoup. Merci, Sophia. Merci pour les réunions. Merci pour les réunions. Allez, mets ça. Dans le genre chanson qui n'a pas pris une ride, voici Roxane, composée par Sting en 77 pour son groupe Police. Et encore un énorme tube qui a fait l'objet de nombreuses reprises. Et ce soir, on vous propose une version très personnelle, écrite par Patrick et tirée d'un grand répertoire de son groupe, j'ai nommé le Wave Trio. Le Wave Trio, c'est deux chanteuses, Laurie et Céline, et un pianiste, Patrick, qui vous propose d'assurer une ambiance musicale de qualité pour vos soirées privées ou non. Voici, chanté par Laurie, Roxane. Roxane, pull on the red light. Roxane, pull on the red light. Roxane, pull on the red light.
Laurie Hercé. Deuxième voix finement posée par Céline Poiré-Mouton. Patrick pour le piano. Et inévitablement, Myriam à l'accordéon. Au milieu des années 70, apparaît le style jazz fusion, un mélange de jazz, de funk et de rock latino, dont Chick Corea est l'un des chefs de file. Chick Corea est un musicien hors pair, immense improvisateur et très grand compositeur. Inutile de dire que Lauriane et les quatre musiciens qui l'accompagnent sont des inconditionnels de cet immense artiste. Pour rester dans l'esprit du maître, ce morceau est en dehors du thème principal, quasiment improvisé par les musiciens. Rien n'est figé. Les musiciens peuvent modifier leur jeu dans l'instant, suivant l'inspiration. Je dirais donc qu'il faut avoir un certain culot et beaucoup de métier pour se frotter à ce genre de répertoire. Voici Spen, un standard de Corea, le reflet de ses origines espagnoles. Et nos musiciens, Céline et Jérémy, qui ont quitté l'école il y a 25 ans, enfin peut-être pas, mais bien 20 ans, reviennent de Paris tout spécialement pour ce spectacle. Ils font deux répétitions avant et roule ma poule, c'est dans la boîte. Voici Spen. Yesterday, just a photograph of yesterday, and all his edges folding, the corners fail to set them down, and yet it's all that our offense load, those grieve to its ending. Rather days, I can see such rather days, when every song we sung gets sung again, and oh, we know this time it's for good, and when love is once again. I can't remember when the December's on the ground.
Lauriane Vanretti. Tu travailles avec Patrick aussi, là. C'est en train de se monter un petit répertoire basique, les deux. Petit dominant. Hein. Jérémy Richard. C'est toi qui nous a fait la combinaison à la suite. Céline Cabrimol. Céline, elle assurait toute la partie de basse. Les basses étaient faites donc au clavier. Benoît, lui, il assurait la partie de piano électrique. Et Patrick, il était au piano. Voilà. Merci beaucoup. Merci de vous être déplacés tout spécialement ici loin. Bonne fin de soirée. Monument de la chanson française, Jacques Brel a laissé une œuvre exceptionnelle, bien que sa carrière ait été vraiment courte. Mais bon, quelle puissance! Il y a tout l'humain chez Brel, tous ses drames, tous ses espoirs, toute sa rage même, et sa sensibilité. À la demande de Patrick et Myriam, Baptiste a accepté d'interpréter ce soir un grand classique de la chanson française, Quand on n'a que l'amour. Il est vrai qu'il s'est un peu éloigné de ce répertoire pour se consacrer davantage aux comédies musicales. Mais donc pour lui, c'est forcément un retour aux sources. Mais quelle source !
Et Margot Thionnant qui est venue à la fin. Je soutiens sur sa deuxième voix. Bravo. Bon ben, c'est presque fini. Quelle heure il est? 11h, quand même. Bien. Eh bien, écoutez, nous arrivons presque au terme de notre soirée. Et donc, nous allons vous chanter une chanson qui... Enfin, ils vont vous chanter une chanson, parce que moi, je ne chante pas grand-chose. Musique was fa maif... Oula. Oh. C'est l'anglais, ça. Ceux qui me connaissent, ils savent que ce n'est pas mon truc. Music was my first love. Bon, ça veut dire la musique, c'est mon premier amour. Hein? Voilà. Bien, je vais donc quand même vous présenter les musiciens et puis tous les chanteurs avant de commencer cette chanson. Ensuite, on terminera à nouveau là-dessus, une deuxième fois, tranquillement. Allez, je vous les présente. Ben, c'est ceux qui ont fait le début, c'est ceux qui ont fait l'introduction, qui ont fait 1, 2, 3. Ils font la fin également. Donc c'est Stéphane Leroux, Christine Lalouette, Armel Ambizetti, Claire Lalouette et Joël Gallois. Les choristes ne sont pas là, je ne les présente pas maintenant. Pourquoi ? Oui, je peux les présenter maintenant ? Oui, on peut présenter les choristes. Bon. Alors, il y a Jordan et Sonia Cacea, Sofia Bortoluzzi, Margot et Romain Thulan. Ouais. Elle a des voilà, Sonia, Jordan. Sofia, Romain, Margot, Caroline Lédé. Caroline Lédé. Enfin, vous les avez vus tous. Céline Hugon. Céline. Elsa Lédéli. Elsa. Catherine Mutrel. Catherine. Laurie de la Place. Laurie de la Place. France, mais elle reste en coulisses. Voilà. En fait, vous les avez finalement presque tous entendus chanter tour à tour en soliste, donc il n'y a pas de souci. Eh bien, on va y aller. Voilà. Eh bien, on va y aller. Allez, musica. Partie de piano néoclassique, une belle chanteuse soliste, des choristes pour finir tous ensemble. Enfin, tout ce qu'on aime, quoi. Thank you.
Patrick aurait vraiment aimé, on sait qu'il y a de nombreux anciens élèves dans la salle, il aurait aimé faire une photo de famille avec vous, donc si les anciens élèves veulent bien monter sur scène, il serait très content. Tout à fait. Merci les filles. Mais tu as raison, embête-nous.
je sais pas. Regardez,